ça y est, on n'est plus très loin de la fin. Enfin, ce que j'ai déjà fait, c'est de tout nettoyer dessous, ici, parce qu'on peut avoir de la vapeur, des taches de gras, etc. Hein, ça reste une cuisine. Donc, utiliser de l'acétone pour pouvoir bien tout dégraisser et s'assurer que la surface va être bien, bien poreuse. À ce propos, le support, donc le voici. Cette partie-là, ce qu'on voit en jaune, c'est du double face. Bon, j'ai mis les vis, hein, il y a pas mal de vis. Pour autant, il y a certains endroits où, vous voyez, hein, ça reste flexible. D'accord? Donc, va falloir le rigidifier. C'est la raison pour laquelle je voulais mettre du scotch double face en plus des vis à certains endroits. Bon, le plus dur a été fait. Allez, c'est parti pour le montage. Bon, je peux vous assurer que ça doit être le même café, hein. Et ben, il est bien meilleur maintenant. Ouais, il est vraiment meilleur. Allez, sur ce, bricolez bien, mais surtout avec passion.